Il est mort. Cher ami, c'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès d'un ami très cher, qui se nommait Bon Sens et qui a vécu de très nombreuses années parmi nous. Personne ne connaissait précisément son âge, car le registre sur lequel était enregistrée sa naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande ancienneté. Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment pour ses remarquables leçons de vie comme « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il ne faut pas tout attendre des autres. » Ou bien encore « Ce qui m'arrive est peut-être aussi ma faute. » Et bien d'autres encore. Bon Sens ne vivait qu'avec des règles simples et pratiques, comme ne pas dépenser plus que ce que l'on a, et des principes éducatifs clairs comme ce sont les parents qui décident en finale. Hélas, Bon Sens a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à attaquer des professeurs qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux enfants le respect et les bonnes manières. Ayant appris qu'un enseignant avait même été renvoyé pour avoir réprimandé un élève trop excité, son état de santé s'était encore aggravé. Sa santé s'était encore plus détériorée quand les écoles ont dû demander et obtenir une autorisation parentale pour mettre un pansement sur le petit bobo d'un élève. Tandis qu'il ne pouvait plus informer les parents des autres dangers bien plus graves encourus par l'enfant. Enfin, Bon Sens a perdu la volonté de survivre quand il a constaté que des voyous et des criminels recevaient un meilleur traitement que leurs victimes. Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu'au physique, quand la justice décida qu'il était répréhensible de se défendre contre un voleur dans sa propre maison, tant que ce dernier pouvait porter plainte pour agression et atteinte à sa propre intégrité physique. Bon Sens a définitivement perdu toute confiance et toute attache à la vie quand il a appris qu'une femme, qui n'avait pas réalisé qu'une tasse de café chaude peut brûler, et qui s'en était renversée maladroitement quelques gouttes sur la jambe, a perçu pour cela une indemnisation colossale du fabricant de la cafetière électrique, qui a dû licencier l'intégralité de son personnel. Et comme vous le savez sûrement, la mort de Bon Sens avait été précédée par le décès de ses parents Vérité et Confiance, de son épouse Discrétion, de sa fille Responsabilité et celle de son fils Raison. Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement. Je connais mes droits. C'est la faute de l'autre. Je suis une victime de la société. Certes, il n'y avait pas foule à son enterrement, car il n'existe plus beaucoup de personnes qui le connaissaient vraiment, et peu se sont rendus compte qu'il était parti. Mais si vous vous souvenez encore de lui et si vous voulez raviver son souvenir, prévenez vos amis de la disparition de notre regretté Bon Sens, en faisant par exemple circuler ce faire-part. Sinon, ne faites rien. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring.